J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la FAQ que je vous avais promis pour les 5000 abonnés. Mais maintenant, on est bientôt aux 6000 abonnés. Donc je vous remercie beaucoup. Bisous, bisous. Et je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait avant parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Et c'est parti avec la première question. Quel est ton âge ? J'ai 12 ans. Et quelle est ta date d'anniversaire ? Je suis née le 18 juillet 2007 et j'aurai 13 ans. La deuxième question est, où achètes-tu tes tuniques? Des fois quand je vais en compétition et que je vois de belles tuniques, je les achète de deuxième main ou je les fais faire par une couturière moldave, sur mesure. La troisième question, depuis quand tu fais de la GR? Donc j'ai commencé la GR à 6 ans et j'ai fait quelques mois et j'ai vraiment fait les compétitions à partir de 7 ans. Donc ça fait 5 ans. Quatrième question, tu voudrais faire quoi plus tard? Professeur de GR. Cinquième question, quelles sont les matières que tu préfères à l'école? Moi, je préfère le dessin et le néerlandais. Sixième question, aimerais-tu être championne de GR dans l'avenir? Septième question, pourrais-tu faire un tuto souplesse avant à une main? Oui, je vais recommencer à faire des tutos, mais ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup de temps. Vu qu'il y a l'école et la gym, ça devient un peu compliqué, mais je vais essayer. Question 8, quels sont tes projets? Donc mon projet, c'est d'essayer de me qualifier pour les championnats d'Europe junior, mais ça va être quand même compliqué, vu que je suis qu'en première année junior. Mais si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour la prochaine. La prochaine question est, as-tu un amoureux? Non. Ensuite, aimes-tu l'école? Pas trop, mais j'y vais quand même juste pour mon ami. Ensuite, comment as-tu réussi à avoir tes grands écarts? En les faisant chaque jour, pendant 3 minutes, chaque jambe. Et si vous aussi vous voulez savoir les faire, allez voir ma vidéo tuto comment faire les grands écarts. Tu fais des passages en individuel ou aussi en ensemble? Non, je fais que des passages individuels vu qu'en Belgique il n'y a pas de compétition en groupe. Si tu n'aurais pas fait de gym, quel sport aurais-tu fait? Moi, on a mis beaucoup de temps à me faire un sport et la GR ça me convient bien et il n'y a pas d'autre sport qui m'intéresse. De quel pays es-tu? De Belgique. Et où achètes-tu tes engins de gymnastique rythmique? Il y a deux endroits où je les achète. Soit je vais à Excel au magasin Miliso pour acheter mes engins, ou soit je les commande sur un site internet qui est RGSTEP que je vous mets en barre d'infos. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la GR? En fait, quand j'étais en maternelle, ma prof de gym a dit à mes parents que j'étais douée en gymnastique et qu'il fallait m'inscrire à la gym. Et mes parents m'ont inscrit à la gymnastique artistique, mais j'aimais pas trop, j'avais le vertige sur la poutre. Alors, ils m'ont inscrit à la GR et ça, j'aimais direct. Quel est ton engin préféré et celui que tu aimes le moins? Mon engin préféré, c'est le ballon et l'engin que j'aime le moins, c'est la corde. Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Je m'entraîne 6 fois par semaine et au total ça fait 26 heures d'entraînement. Quelle est ta prochaine compétition? Ma prochaine compétition c'est le 2 février, c'est une compétition régionale. Est-ce que tu voudrais un animal de compagnie? Oui, et j'aimerais bien avoir un hamster. Combien de frères et sœurs as-tu? J'ai un frère Mathis que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos et ma sœur Lola que vous avez déjà aussi vu. Et quelle est ta couleur préférée? Le turquoise et le fuchsia. Quelle est la gymnaste que tu admires le plus? Margarita Ramon, elle a gagné les JO en 2016. Aimes-tu YouTube? Oui. Ton animal préféré? C'est le caméléon. Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? J'ai pas souvent du temps libre, enfin, en fait j'en ai presque pas. Et quand j'en ai un peu, je fais des vidéos. Combien de justaucorps tu as? J'en ai 4. Quel est ton plat préféré? Les feuilles de brique. Quelle est ta collation préférée? Le tiramisu ou la charlotte aux fraises.
Quelle série regardes-tu? Ces derniers temps, je regarde pas de séries, je regarde surtout des vidéos YouTube ou des films. Quelle est ta playlist préférée? J'en ai pas vraiment, mais ma chanteuse préférée, c'est Aya Nakamura. Et... Quels réseaux sociaux tu as? Instagram et TikTok. Et mes comptes vont apparaître juste ici. Voilà, la FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Bisous. Ciao.